Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo qui va sans doute te foutre la haine ou pas, ça dépend si tu attendais la collab, mais a priori c'est Ragnarok à la fin du mois. Ragnarok chapitre 4. Voilà, donc ça c'est un message qu'on a eu dans le jeu. Donc sur la JP c'est les récompenses que tu as à 10h dans ta boîte aux lettres. Je crois que sur la version globale c'est 18h ou 19h. Et on a eu ça, Ragnarok chapitre 4, fête de la veille. Donc en gros, fête de la veille, ça veut dire fête une semaine avant. Voilà, c'est normal. Mais sinon, les gars, si peut-être que c'est une faute de frappe, on sait pas, les gars. Hein. Tu sais, actuellement, c'est pas une confirmation. Mais de toute façon, dimanche à 17h, du coup, vu qu'on va avancer l'heure d'une heure, du coup, maintenant, enfin, l'heure actuelle, les resets, c'est 16h. Et dimanche, ça sera à partir de 17h. Bref, on s'en fout. Ce que je veux dire par là, c'est que normalement, dimanche à 17h, on aura une info si cette semaine, donc la semaine qui arrive, si c'est une collab. Voilà, vous le savez, le dimanche à 17h, donc au reset, ils mettent un bonus de connexion pour la collab. On aura l'information, mais si on n'a pas ce bonus de connexion, bah on sait que ça sera Ragnarok chapitre 4. Alors, moi je vais te donner mon avis par rapport à ça. Honnêtement, je trouve mettre Ragnarok, ça va encore baisser la hype, parce que là, la plupart des joueurs, moi je suis vidaste et je le vois, enfin, en tout cas mes abonnés, c'est comme pas mal de joueurs, la plupart en tout cas, c'est joueur encore actif sur cette DS parce que il y a plus de vidastes autres que moi qui fait des vidéos en ce moment. Ou soit il y a aussi quelques vidastes petits. Mais bref, t'as compris ce que je voulais dire. Et de ce que j'ai vu, c'est qu'on va dire un bon 80%, on va dire, tu sais quoi, 70%, 80% de ma communauté, ils sont hype par la collab et ils attendent que ça en fait. Et là on aura Ragnarok. Et le problème de Ragnarok, c'est que honnêtement, donnez-moi votre avis en commentaire, moi ça m'intéresse. Mais que moi en fait Ragnarok, c'est un contenu qui est inintéressant à l'heure actuelle dans le jeu. Ça apporte presque rien, ou soit ça apporte des trucs qui sont rompiches à mimir pour la plupart des joueurs. Alors, il y a un mois et demi ou deux mois, je sais plus, on a vu une mise à jour pour avoir le cerf. C'était cool, tu vois, le cerf, etc. Mais le problème, c'est que c'est un contenu qui intéresse uniquement les tryhards. Et on a déjà eu le cerf, tu vois. Donc en fait, moi, je me dis que la mise à jour qui arrive, donc Ragnarok, on aura uniquement le chapitre 4. Ok, pourquoi pas, ça fait de l'histoire. Et on aura, bien évidemment, un nouveau portail, hein, ça va de soi. Vous connaissez. Et je pense que les nouveaux persos, ou le nouveau perso dans le tas, il va être broken pour le cerf. C'est obligé, les gars. C'est obligé, parce que le cerf, vous savez qu'à l'heure actuelle, c'est ultra chiant de le faire. Pourquoi? Pas parce que il est difficile, pardon, j'ai galéré à dire ce mot. C'est parce qu'en fait, tu dois passer ton temps à reset pour les passifs. Et là, à l'heure actuelle, on a besoin d'un perso qui ignore tous les passifs. En fait, tu t'en fous. Tu tapes un passif, le passif des orbes, t'en perds à chaque début de phase, bah tu t'en fous, tu vois. Même le revive, à la limite, tu t'en fous, ça serait cool qu'on ait une unité pour détruire le cerf. Mais en soi, c'est pas intéressant de ouf, tu vois, c'est pas ce qu'on veut à l'heure actuelle dans le jeu. On veut de la hype. Hein. Je sais pas, on a la dalle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma pensée à l'heure actuelle. Surtout que, les gars, on a eu l'anniversaire global. Et l'anniversaire global, en termes de contenu, les gars, mais c'est le vide intergalactique. Ah, j'en ai vu des mises à jour dans ma vie, mais celle-là, cette mise à jour festival qui, d'ailleurs, a duré 5 semaines, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait... En fait, le problème à l'heure actuelle de cette DS, et c'est toujours ça, c'est par période, t'as toujours une célébration tous les 6 mois qui est ultra hypante, et après, c'est rompiche. Mimir Max, comme on dit. Parce que regarde, on a eu Jan, et on a eu quoi en nouveauté quand Jan est arrivé? Dites-moi les gars, on a eu un début de chapitre, il y avait 5 combats à tout casser, il y avait même pas les 30 gemmes, enfin bref c'était la moitié d'un chapitre d'ailleurs. Après on a eu quoi? Le nouveau mode de jeu qui est éclaté au sol, ils ont pris 9 mois à faire ça, enfin vraiment les gars, en fait il n'y a rien eu dans cette mise à jour. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez bien dormi durant la mise à jour festival, alors qu'une mise à jour festival, t'es censé beaucoup jouer au jeu, tu vois. Alors que là, les mecs, ils ont réussi, ça c'est une première, ils ont réussi
à te faire fuir le jeu. Pourquoi? Parce que déjà de 1, les personnages, zéro hype, pour la plupart des joueurs en tout cas, hein, t'auras forcément des joueurs hypés par une Jhan ou même Hélène, mais la plupart des joueurs, c'est aux étiers de Jhan et de notre amie Hélène, et le contenu aussi, il n'y a rien à faire. Même pour un joueur qui a commencé il y a 4 mois, 4-5 mois, il se dit, mais attends, c'est quoi cette célébration? J'ai retourné sur Dokkan Battle, c'est mieux, tu vois, ou DB Legends, j'en sais rien, peu importe, ou même Genshin. Enfin vraiment, c'est le seul mec qu'ils ont réussi à faire fuir les joueurs. C'est un truc de ouf, en fait, hein. C'est... Alors c'est une célébration anniversaire, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, tu vois, c'est pas une célébration 0,5 ans du jeu, enfin un an et demi, ou... C'est une demi-anniversaire, un demi-anniversaire, pardon. Enfin bref, voilà, moi j'attendais la collaboration, les amis, j'étais vraiment hypé, je me disais, qu'une collab, ça allait mettre un peu de fraîcheur dans le jeu, entre guillemets, même si on le sait, ça allait presque rien apporter en termes de changement, donc en PVP, constellation, etc. Mais ça fait plaisir d'avoir une collab sur cette DS, tu vois, c'est toujours une plus-value, même si ça dépend si on doit 6-6 les persos, parce que si c'était comme KOF, donc KOF, je le rappelle, Terry était sorti, il faut le 6-6 à l'heure actuelle, sinon bah tu te sens pas bien quand t'es un gros joueur, en tout cas dans le jeu. Terry est overbroken, si tu l'as pas 6-6, bah t'as la haine. Si la collab Sam c'était pareil, ça allait bouder, je pense, mais bon, c'est pas le sujet. En tout cas, collab slime a priori annulé, et ça honnêtement les gars j'ai la haine, hein. Enfin annulée, elle est pas annulée, hein. Attention, je me suis trompé de mot ici, elle est décalée, voilà elle est décalée, et ça j'ai un peu la haine, tu vois, on va attendre dimanche comme je l'ai dit, mais moi honnêtement ouais, j'ai le seum, hein, parce que je me disais ça pouvait être cool. Ah c'est dommage hein, franchement... Le jeu, je l'avais dit, hein, j'avais fait une vidéo continue Netmarble quand il y a eu la mise à jour de la nouvelle année. Elle était incroyable avec Meodas 3K, etc. En termes de gemmes, c'était vraiment cool. Même si en soi, il n'y avait pas spécialement de nouveautés, mais tu vois, il y avait plein de petits trucs qui hypaient. C'était une célébration qui était réussite en soi, là, la nouvelle année. Et là, depuis nouvel an, honnêtement, les gars, on touche le fond, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, c'est pas une vidéo où je vais cracher sur le jeu, hein, bien évidemment, je dis juste mon avis sur le jeu à l'heure actuelle, tu vois, je partage l'avis de pas mal de joueurs, hein. Après, forcément, le jeu est cool, etc., vous connaissez, hein, ça, on va pas en reparler, sinon on jouerait pas au jeu, mais tu vois, actuellement, ils manquent cruellement de hype et de contenu, en fait, tu fais rien dans le jeu, tu te connectes, tu fais tes coachies, et tu te casses, tu vas en PVP si t'as envie. Tu vois que en PVP tu commences en deuxième, tu te fais détruire, bah tu quittes le jeu. Ou sinon t'attends les Guild Wars pour jouer parce qu'il y a que ça à faire à mon niveau en tout cas. Mais sinon ouais tu te mets en auto au pire pour faire meta box. Hein. En soi c'est des trucs que tu fais depuis le début du jeu. Enfin les joueurs ont compris tu vois. Genre mettre en auto pour les golds etc. Enfin bref on s'en fout les gars. Vidéo longue d'ailleurs 8 minutes 20. Putain j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo what the fuck. Ok merci d'avoir regardé les gars, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos, des bisous. Tchou.